من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا من أجلك يا يا وطني جيش التحرير جبهته كان ضوئين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذل للشعب الرافض تجينا من أجلك يا من أجلك يا وطني يا سائل عرب ملتنا Vas-y. Vous allez trouver du sang.
général, en général, bon, le problème terre, c'est quoi? Le problème terre, c'est quoi? Monsieur, minimiser ou maximiser, fonctionne mieux avec des contraintes, ce qu'on appelle un programme linéaire. Donc, le but, le but à n'importe quelle méthode, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est trouver la solution optimale. Si maximiser, c'est la solution maximale. Si minimiser, c'est la solution minimale. C'est le but. Bon, à l'algorithme, en général, à l'algorithme, on se connaît un problème. L'ingénierie, résoudre une équation, résoudre un système linéaire. Lorsque vous faites un algorithme, vous fichez un algorithme. Un algorithme, vous fichez bien. En général, là, donc il va générer une suite. Une suite. J'ai beaucoup de suite de matrices, une suite de vecteurs, une suite. Ça dépend le problème qu'on pose. Donc il va générer une suite, telle que cette suite, à la limite, pense, elle arrive à la solution optimale. Donc à la limite, chaque fois que j'avance dans la suite, c'est-à-dire que lorsque K attaque bas, elle avance de plus en plus vers la solution optimale. C'est ce que fait l'algorithme simplex. Chez l'algorithme simplex, la suite terrana, ce n'est pas une suite infinie. C'est mieux encore. Ce sera une suite finie. Elle va converger vers la solution optimale dans un nombre fini d'itérations. Donc voilà, donc là où le problème terrain, c'est le but beau. On a le niveau donc de façon simple. Donc, problème terrain, on a le niveau, Bon, je vais l'écrire de façon un peu détaillée. Donc, considérons. Parce que là, bien un chapitre qui est, donc, un niveau, donc, considérons. Donc, le programme linéaire, considérons. Le programme linéaire. PR, c'est bon, c'est un programme linéaire, PR. PR. Donc suivant, algorithme, donc la forme PR qu'elle a. Suivant. Donc le problème, c'est maximiser ou minimiser, donc ça n'est pas le problème. La fonction, donc Z, donc c'est un Z, est égal à, donc c'est 1, x1 plus, on dit n, plus, c'est n, x1. Les moulins, ils sont la fonction économique, ils sont la fonction objective ou bien la fonction économique. C'est une fonction qui est linéaire de la variable x. Bon, avec les contraintes, nous avons donc n variables. Je vous mets, je trouve les indices là, nous prenons que bien. Parce que là, vous allez voir, je l'ai eu trop le bien. Donc nous avons n variables, on a m contraintes. Le n ou le m, elles doivent être le coulou quelconque. Une tsawa, elles sont égales, n akbar min m, n akal min m. Tous les problèmes sont possibles. Donc les contraintes, c'est bien. La première contrainte, c'est bien sous la forme de A1, 1, x1, plus A1, 2, x2, plus, etc. Plus jusqu'à plus A1, x1. Donc vous avez trois types de problèmes. Ou bien vous avez inférieur égal, ou bien vous avez supérieur égal, ou bien vous avez égal aussi. Donc, un coefficient A, l'oul, B. C'est la première contrainte. La deuxième, c'est la deuxième. A, 2, 1, x1, plus A, 2, 2, x2, plus, etc., plus A, 2, 1, x1. La même chose. Soit inférieur égal, soit supérieur égal, soit égal. B2. Bon, on a la même chose. Hein. L'une est inférieure égale, la deuxième est supérieure égale. Les contraintes, ce qui est beau, donc ça n'est pas le problème. Tous les problèmes qu'on a modélisés, donc le problème d'un nombre d'heures, d'une usine, du fait nombre d'heures, ou fait égale. Donc vous avez vu que, quelle est la contrainte l'une, quelle est inférieure égale, ou quelle est la production de au moins supérieure. Donc l'acquéreur, avec il demande une quantité au moins égale. Donc il trouve supérieure égale. Il trouve une contrainte qui est supérieure égale. etc. A, I, 1, x1, plus A, I, 2, x2, plus, etc. Plus, etc. A, I, 1, x1,
نفس الشيء دونك انفيريور غاد او بيان سوبيريور غاد او بيان غاد دونك تاعنا هنا هي تاعنا ريت ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la contrainte, la dernière compte, la contrainte M, M, donc un des A, M, 1, X1, plus A, M2, X2, plus, etc., plus A, M, N, X1, la même chose, inférieur égal, ou bien supérieur égal, ou bien égal, donc terme là, B, M. Voilà, bien sûr, il faut rajouter ce qu'on appelle donc, les contraintes de non de positivité ou de non négativité. Les variables économiques positives, avec les x, y, x1, x2, jusqu'à xn, ou nous voulons positif. Voilà, à la voie. La forme générale d'un problème linéaire. Bon, on va écrire le principe de l'algorithme. On va l'écrire globalement. Pas de détail, pas de détail. On va utiliser. Bon, pour l'instant, on va utiliser donc un point x1 et xn. S'il vérifie toutes les contraintes donc, avec la norme que je ne sais pas, une solution réalisable. Une solution admissible ou bien une solution réalisable. Optimale, maintenant, elle est réalisable. Donc, quel que soit x, donc solution réalisable, on a f, le point avec optimal, est supérieur égal, avec le maximisme, supérieur égal à f de x, quel que soit x appartenant à l'ensemble de toutes les solutions réalisables. Donc, l'algorithme sur le texte, qu'est-ce qu'il va faire? On va dire l'algorithme. L'algorithme du simplex. Il crée. Une suite finie. C'est-à-dire que l'élément lourd x1, x2, et xl. La solution de base réalisable. Juste après, on va voir. Donc, l'algorithme du simplex, une solution de base réalisable, il faut à une autre solution de base réalisable. À chaque étape, c'est-à-dire la solution de base, vous le comprenez. Géométriquement, هندسي, parce que là, c'est le système à l'intérieur des contraintes, là, nous avons supérieur égal, on va ajouter des variables, ce qu'on appelle les variables d'écart. On va transformer ce système là en inégalité en inégalité, rajouter sous la forme d'un système algébrique égal, plus égal. À chaque les points extrêmes, parmi les sommets interpolés. Parce qu'il y a l'intérêt, qui s'envole géométriquement, phi R2 par exemple. Elle est moyenne. Donc, un bâche, on a l'ensemble de là, quand on a phi R2, on a deux variables par cas, les contraintes là-dedans, ils nous donnent ce qu'on appelle un polyèdre. Par exemple. Un polyèdre. C'est très important.
fois géométriquement, ben, on va la voir, faire calcul, vérifier, on va la vérifier, faire calcul. Un polyèdre. La solution optimale, on démontre ça, la solution optimale, mettre une sur les 4 points, une sur les 4 points, une sur les 5 sommets. Ce qu'on appelle les points extrêmes. Donc l'algorithme du simplex, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il donne un sommet, il se voit quelconque, où il faut le sommet wahdor. Il faut le sommet wahdor. Elle est la méthode, maintenant on va la voir dans le détail. Mais ça, le passage d'un sommet vers un autre, il est qu'elle maximise, ou je t'aise de dire, F, maintenant elle a dit M1, supposons, d'un M1, voilà, le M2. Qu'il faut, c'est l'algorithme qui dit, c'est l'algorithme qui va, qu'il faut le M1. On a maximisé, il faut le point M2. Ou je laisse le nombre, puisqu'il maximise. Qu'est-ce que vous voulez faire M2 F, 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 fait M2, laisse le point strictement supérieur à F2, puisqu'il maximise. Et je me dis, ben, la fonction, il n'a qu'elle minimise, c'est le contraire. Strictement, strictement. Que le nombre de la fonction, c'est là. Elle dit, tout le fait, le flab, flab, et au chien. Qu'il y a un algorithme bête, simple ou bête, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule, tous les points extrêmement, on a fait erreur, on a pas fait erreur, du moins, on calcule tous les points, tous les points extrêmement. On bat, on bat, donc on calcule le sens de bain, nous allons voir, on va voir, avec deux variables, c'est imaginez avec 1 000 000 de variables, ou avec 100 000 contraintes, 1 000 000 de variables, ou 100 000 contraintes. Alors, calculer les points d'intersection, t'as les contraintes, alors, calculer les valeurs. C'est impossible. Il voulait impossible. Il voulait le calcul de il voulait impossible. Par contre, l'algorithme du simplex, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Puisque, va amener un jour, parce qu'il y a un avancé. Il y a un deux, 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 il y a un deux. L'essentiel, qui crée un autre point, il y a un autre point. Le point qui est comme le point judé de la fonction tatla, du matatla. Il y a un point où la fonction a dit tatla. Quelles sont les conditions? Je vous fais mes conditions. Il y a un point extrêmement, où la fonction est impossible de dire tatla. Où est-ce que c'est le point? C'est le point maximum. Classe. On sent le sommet. Classe. Point extrêmement. Je vous fais algébriquement. Mais c'est algébriquement. Algébriquement. C'est pour les points extrêmement. On fait aussi les solutions de base, les solutions de base réalisables. Tous les points extrêmes, les trois points là, aujourd'hui, nous allons voir le dérive. Aujourd'hui, parmi chaque point extrême, lui correspond à une solution de base réalisable. Très important. À chaque point extrême, lui correspond à une solution de base réalisable. Ben, je vois en détail. C'est le moulakhis, c'est ça. Donc, il. كاين نمشي لا سويت تاعي هذه لي سوليسيون باز ريزون الحقيقه حتى هي كيف لا ميم شوز انا قاعد نمشي من ان بوان اكستريمال الى لوتر بوان اكستريمال بصح الجبريكمون دو فاسون الجبريك هاي الفكره دونك هذه السوليسيون باز ريزون الحقيقه هو المفهوم تاع بوان اكستريمال والمفهوم تاع بوان اكستريمال جيومتريكمون هندسي هو المفهوم تاع بوان اكستريمال كيما قلنا نعاود j'ai là une suite finie de solutions de base réalisables, de sorte que le passage d'une base d'une solution de base réalisable. De sorte que le passage d'une solution de base réalisable vers une autre solution de base réalisable, vers une autre solution, vers une autre solution de base réalisable, La fonction économique croît, elle augmente, croît,
la maximisation ou décroît على تاع لا مينيميزاسيون على هذا واش دونك هذا سي لو برينسيپ هذا البرينسيپ تاع لالغوريثم دو دو سامبلكس هذا هو هذا المبدا تاع وتحبوا تزيدوا من هنا Ces solutions de base réalisables correspondent aux points extrémaux dans la forme géométrique. Ces solutions de base réalisables, correspondent aux points extrémaux, aux points extrêmement dans la forme géométrique. Bah, on va faire l'exercice, on va le vérifier. L'exercice, on va le voir. Bon, alors, donc c'est le principe. Donc c'est le principe d'un algorithme du simplex. 4-2. A1, A1, X1, plus A12,
x2 plus, etc. plus a1, 1, 1, x1 plus, la première fois, c'est là, x, puisque ça me dit 1, 1, 1. Donc, regardez la première. xn plus 1. xn plus 1. هاي هاي لا كونترينت جديدة نزيدها باش كان عندي اكس ان كونترينت فاريابل عندي اكس ان لا بروميير لا بروميير كونترينت لا فاريابل ديكار جديدة نسميها اكس ان بلس ان زد هاي زاد داكور نخليها جو لا سكوبس دونك هنا نلقى هنا ايكال هنا نقول لي ايكال بي ان ايكال بي ان لا دوزيام ا دو ان اكس ان بلس كانت هكا A2 2 X2 بلوس A 2N X1 انفرور إلى A B2 كل إيش معنى كونتران هذي كيف كيف زيد أون سول فاريابل زيد فيها أون سول فاريابل دونك كل A1 1 X1 بلوس A1 2 X2 بلوس ما تبدلش تبقى كيما راهي بلوس A1 A2 N x1, on va plus, il y a plus 0, il y a plus 1, plus 0, xn plus 1, puisque ma cache, pour dire ma cache, il y a la variable tk, il y a la contrainte. On va faire plus 0, xn plus 1, on va faire plus 1, on va faire la colonne, on va faire la variable xn plus 1, on va faire xn plus 2, etc. On va faire la classe, on va faire la variable xn plus 1. Plus x n plus 1 donc on a c'est tout égal égal b2 égal b2 plus 2 hein c'est plus 2 c'est bon 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 هذه صحيح هذا انا هذا انا صحيح تربي بلوس اكس ان بلوس 2 ايجا ب 2 هذه لا كونترانت ا نيميرو 1 هذه نيميرو 2 لا كونترانت نيميرو اي دونك روحو فاصون دو فاصون جينيرال نكتبوها مليح لا كونترانت نيميرو اي كيف تكتب دونك كانت مكتوبه ا هاي اي 1 اكس 1 بلوس ا اي 2 اكس 2 plus a i n x 1 inférieur ou égal à b i donc n c b la forme allez a i 1 la même chose x 1 plus a i 2 x 2 plus etc plus donc on a plus pardon plus a i n x 1 هنا تبقى شوف الطاهر فاهم اسمح لي هنا باسكو ما عنديش ما عنديش بزاف بزاف البلاصه ما نقولش خلي البيان هو يكتب لي دونك جو في افونسي دونك اكس ان تبقى مع اكس ان نوصل بين هنا هنا الحق سي 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 ان بلس اي ان بلس اي تم ان بلس ان بلس حتى نوصل ان بلس اي دونك هنا نمشي هنا حتى نوصل بلس ان بلس اكس n plus i. هنا برجو ما هو إيجال هنا إيجال هنا هذا إيجال بيرا إيجال بيدو إيجال بي بي زيرو هنا إكسيرا لدرجة طب لدرجة لا كونترين أن لا كونترين نمبر أن لو جبت يا A كان عندي A لا plus A2 x2 plus etc plus A M M x1 inférieur ou égal à B M donc on tire la contrainte donc il fait A M x1 plus A M 2 x2 plus ce sera le dernier hein. Là, là on coule en 0 là on va ajouter plus x n plus i plus 0 le dernier classe plus x m plus n le dernier classe égal b
هذه يسموها ديكريتور هذه هذه يسموها لا فورم ستاندر بروغرام لينير هذه يسموها لا فورم لا فورم انيسيال هذه لا فورم هذه يسموها لا فورم ستاندر هذه يسموها لا فورم ستاندر ولي فاريابل هذوما اللي زدناهم اكس ان بلس ان العدد تاعهم قلت لي كونترار يسموهم هذوما يسموهم لي فاريابل دكا دونك هنا ما دوني في نوتاسيون دونك هنا x1 plus 1 ça donne les variables x1 plus 1 x1 plus 2 jusqu'à x1 plus 1 c'est bon, les variables des cas c'est bon, les variables les variables qui sont dans le problème d'origine avec les inégalités de x1 à x1 ils sont les variables principales voilà parce que les variables principales sont les solutions c'est un artifice les variables qui sont dans le problème je n'ai pas le vous allez voir je peux faire la transformation. Donc chaque terme lui fait un frère égal. Donc nous avons une variable de cas. Zidora. Le frère, donc هذه يسموها la forme standard du programme linéaire PL يسموها PLS programme linéaire standard PLS la forme هذه نخدمها خلاص دونك هذه ما عطيتش لكم طيشة هذه دونك الالغوريثم بلو سامبلكس il va travailler avec la forme standard donc il va avoir un système linéaire دونك هكا كان واش يولي هذا واش يولي هذا الجبر كيما واش يولي هذا ماتريس هي ماتريس لا لا ماتريس بزاف لا بغل ماتريس هذا ماشي لا مش سيكواسيون سيستم لينير هذا سيستم سيستم لينير دو كومبيان ديكواسيون ان بلس دو ان ايكواسيون ا ان بلس ان انكولو انكولو ستادير سيستم سيستم لينير وين نومبر دو فاريابل اكبر من نومبر سيكتو اكبر من نومبر دو ديكواسيون ديكواسيون دوك بلا مش سيستم لا فورم حنا سيستم لا فورم باش نحلو هو سيستم لينير tel que le nombre d'équations égale le nombre de variables. C'est basique, il y a un déterminant. Si le déterminant est différent de 0, donc il y a une solution unique. Dès que le déterminant est égal à 0, avec le nombre de variables égale le nombre d'équations. Donc il y a un déterminant différent de 0, une solution unique. C'est le cas, mais je me calcule. Si le déterminant est égal à 0, il y a deux cas. Ou bien, il n'y a pas de solution, quand je classe la solution. والله il y a une infinité de solutions. هنا الحل الحاله تختلف هنا. Vous avez donc un système linéaire où le nombre d'inconnus هو اكبر من nombre d'équations. واش رايك؟ السوليسيون تاعك عندك une solution هذا؟ Infinité. En général, il y a une infinité de solutions. Très bien. راح نشوفوا. Enfin, aucun détail. On va شويه ندخلوا في les détails. On va détailler. ونعاودوا علاش في الافاده في الاعاده الافاده. زيدوا نعاودوا نكتبوها. حنكتبوا واحد. نكتبوا PLS سو فورم لو بروغرام لينيير ستوندار حتى كي نكتبوه الفوت ديما تكتبوه مليح ما تكتبوهش كما تحبوا انتم الفوت تكتبوه كما يلزم باش كومسا تخرج لك لا ماتريس تاع السيستم لينيير من بعد نكتبوه هذا السيستم لينيير مكتوب هنا اون فوا ديكريو سو فورم ماتريسيال نكتبوه سو فورم ماتريسيال كتابه كما يلزم بون جو في فاسيل نعاود نكتبوه انا نعطي لكم بركا كومون ترونسفورمي شاك كونترانت en inégalité, en une contrainte en égalité. En rajoutant donc une variable chaque fois, puis chaque contrainte, je rajoute une variable DK. Une variable DK.
misères sont ouvertes. Donc maximise, maximise. La fonction, n variable, peut être n plus 1 variable. Donc, il faut une variable. Cx, c1, x1, qui est le plus c2, x2, plus c1, x1. Tout va bien, la fonction économique. Habib, nous avons des variables. Ce sont des variables qui sont artificielles. Donc, nous avons aussi affaire à la fonction. Je dis les coefficients, tu as les variables. Atomes, c'est ça. Je ne vais pas quitter pour la solution optimale de l'écran. X1 tel x1 ou x1 plus 1. Donc, à force de la fonction, il suffit de la fonction. On a toutes les variables des câbles, ils disent non, on a la valeur 0. Donc, là, la fonction combine. Je dis la dictée de l'écran. Plus 0 xn plus 1 plus 0 xn plus 2 plus, etc. Plus 0 xn plus 1. À la fonction économique, c'est le problème standard. Comment c'est? Donc, là, on a un affaire. Donc, les variables de 2, c'est un affaire. Vous extrayez une solution optimale, elle est gamme là, du magma. Donc, il calcule là, il a la solution optimale par rapport aux variables principales, x1, x2, x1. Donc, avec les conditions, là, les couleurs. Ok? Supposons un couleur, un frère, on obtient avec a11, x1, plus a12. X2 plus, etc. Dans ce cas-là, plus A1, N, X1, plus, la variable, la colonne, elle est capable de Xn plus 1. Quel cas de faire Xn plus 1. Égal, je vais la laisser. Donc, deuxième pour la deuxième. A2, 1, X1, plus, A2, 2, X2, plus, etc. Plus, là, A, 2, 1, x1, 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 plus, plus, xn plus 2, plus 2, etc. Bon, je vais pas écrire directement cette étape. Je vais le dernier, donc c'est a, 1, 1, x1, plus a, 1, 2, x2, donc plus, etc. Plus a, m, m, x1, plus, 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 x1, plus, m. Il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, égal, bien, égal. Xn supérieur à 0, xn plus 1 aussi supérieur à 0, jusqu'au dernier, xn plus 1 supérieur à 1. À l'écriture, donc la forme standard, t'as un problème, mais c'est un peu le PLS, c'est le PLS. Problème linéaire standard, problème linéaire standard. Bon, on va voir maintenant, tirer les contraintes parmi les contraintes, supérieur ou égal à 0. Je fais un exemple. Très bien, très bien. Bon, là, vous allez voir. Bon. L'axe variable. Voilà, ça revient à. À soustraire, ça devient à soustraire une variable d'écart. Mais pourquoi? Alors, déjà, transformant. Supposons un A, A, I. La première contrainte. A1, 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 A1,
plus A A1 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 X1 pour supérieur égal à AB. AB. D'accord ? C'est ce que je vais faire. Multiplie par moins 1. Donc on multiplie tout par, par moins 1. Donc j'obtiens moins. Moins. Qu'est-ce que je vais faire à moins. Moins B. C'est-à-dire que je peux lui appliquer le chirgunam. Donc je peux lui rajouter une contrainte. Une contrainte de 4. Donc j'obtiens. Appliquer le chirgunam qu'il m'a fait. Donc on obtient moins. Donc, indirectement, je le rajoute. Donc, directement. Donc, je le rajoute. Plus, plus xn plus 1. Égal, égal quoi? Moins b. Moins b. Vous avez un euro pour le chiffre. Je fais moins ça. J'obtiens. Je vais faire le moins ça. Je peux le dire. Je vais faire le moins. Égal. Donc, si j'ai une contrainte. Supérieur égal, mais c'est une variable de cas. Mais c'est là, je lui soustrais une variable de cas. Je trouve que les images. Bon, c'est une femme. La remarque, n'est-ce pas, les contraintes du coulou supérieur égal, du coulou inférieur ou égal. Bon, donc, le sujet est très important. Bon, supposons, j'ai transformé mon problème qui est PR, vous chrétien, qui est PR. Guide PRS, transformé en PRS. Le chèque des variables de etc., etc. Ce problème PRS, supposons que tu as pas l'algorithme du simplex, où il guide une solution optimale. Je connais le point libre, parce que tu as des variables de 2, il y a un super égal, etc. شكون اللي يقول لي بلي لا سوليسيون اللي جيتها على الاخر بالنسبه لي بروبليم بي ال اس هي سوليسيون تاع بروبليم بي ال اس شكون اللي يقول لي بلي كي نرجع لي فاريابل برينسيبال اكس ان حتى اكس ان راح تكون سوليسيون اوبتيمال تاع بروبليم بي ال لو كون ما كانش علاقه بيناتهم ترونسفورمي على روحك دون سو كان اي انسان يقدر عنده بروبليم ترونسفورمي بروبليم واحد اخر بلو سامبل والله كذا بصح كي يلقى سوليسيون تاع بروبليم هذاك السامبل ما عندوش علاقة بالبروبليم دوريجين ما خدم حتى شي دونك ما رين فيه دونك باش تكون باش تكون لو ترافاي هذا يولي عنده ان سونس لازم كي تلقى لا سوليسيون اوبتيمال تاع بروبليم بي ال اس وتهز لي فاريابل برينسيبال يبقى لا سوليسيون اوبتيمال تاع بروبليم بي ال فهمت كلام هذا هذا ستون تيور راح نديرو كوم تيور دونك راح نديمونترو كو سي مثلا اكس شابو ولا اكس تيب كي سوليسيون اوبتيمال تاع بروبليم بي ال اس alors qu'il est le variable principal. Parce que tout le monde est la partie qui fait le variable principal. Et on va dire que la solution optimale aussi est un problème. Un problème PR. Un problème PR. Donc on va écrire un théorème.
Bon. Théorème. X plus ma, X plus un vecteur, là, égal, X tilde 1, X tilde 2, X tilde 1, etc. Jusqu'à X tilde 1, X tilde 1, 1 plus 1, attends, X tilde 1 plus 1, X tilde 1 plus 1. Donc, une solution optimale, une solution optimale du problème PLS. Donc, par définition, je dois vérifier cette solution. Par définition. Donc, ça va, facalo. Qu'est-ce que doit vérifier ? Une solution optimale, t'as un problème, PLS. Bon, premièrement, les qui n'a pas de l'eau, les valeurs, x tilde 1, t'as x tilde 1 plus 1, t'as une solution, t'as un système linéaire, un système linéaire. Solution, t'as un système linéaire. Où toutes les variables là sont supérieures ou égales à 0. Donc, réalisables. Elles sont, la solution réalisable ou admissible. N'est-ce pas le problème PLS, donc elle vérifie le système linéaire. Deuxièmement, quelle que soit la solution du problème linéaire, vous avez f fait le point à x tilde est supérieur ou égal à f de x pour tout x, donc solution du système linéaire. Alors solution, avec une quelle voilà la maximisation, donc on parle de maximisation. Bon, alors. Parce que je ne sais pas, tu prends ton simple x chapeau, nous avons la même solution. C'est ça. Nous avons trois variables principales. Alors, x chapeau égale x tilde 1, x tilde 2, hatta nous avons un x tilde 1, pareil. Alors, on va dire, et aussi, donc alors, et aussi, une solution optimale, et aussi une solution optimale du problème P. X tilde
1 plus AN2 x tilde 2 plus AN1 x tilde N plus, je ne sais pas, x tilde N plus 1, x tilde N plus 1 égale B. Égale B. C'est simple. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? C'est simple. N'a pas, je vous plaît. N'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas. Après, je vais prendre A, 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 X, tilde, A, plus, etc. Plus, A, 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 N, X, tilde, N. On a testé, je lui enlève B. Je lui enlève B. Parce que là, je suis habitué à connaître la différence. Je sais ce que je لا مش هيك بس لا مش تفيريفي مش تفيريفي مش تكون رياليزابل مش تكون رياليزابل لازم لا كونترانت الاولى تكون اف ثرو ايجال ا ا بي ا دونك تقص بها واش تولي لا لا بالعكس لا سدها حبوها مش تحبوها سدها اف ثرو ايجال زيرو دونك انا نقصو بها ونشوف اسكو هذه اف ثرو ايجال زيرو ولا لا دونك هذه اللي تلقاها كوا تلقاها كوا اكس تيلد ان بلوس ان دوبل La solution elle est optimale, donc elle est réalisable. Donc vous avez le terme, là, je vais vous dire. Terme, terme, positif. Donc, oui, oui. C'est tout. Donc vous avez le terme, là, moins B1 inférieur égal à 0. Ça veut dire que le terme, là, il est inférieur égal à B1. Donc elle est, vérifie la première, la solution, vérifie la première contrainte. La même chose, je respecte toutes les autres, si je respecte les contraintes. Donc, la même chose. Donc, je vais vous dire A, M, 1, X, T, 1, plus, etc. Plus A, M, N, X, T, 1, plus, la contrainte est, il y a X, T, N, plus M, N, plus N. Je vais vous dire A égale B. La même chose. Vous avez A. N, A, X, tilde, A, plus, etc. Plus A, N, N, X, tilde, A, moins B, N, inférieur à A, pardon, inférieur à A, moins X, tilde, N, plus N, inférieur à A, pardon. Donc si elle est réalisable, si elle est réalisable, implique donc la troncature حتى x tilde n راح تكون réalisable aussi pour le problème PPR pour le problème PPR inférieur égal تكون inférieur égal دوبا يكون لازم تكون لازم يكونوا هذا دوبا يكونوا زون بوزيتيف لازم يكونوا وي x n عندي مزيان هي قالت لي بلا رجع موان بي رجع من هنا. داك الشيء صعب تقول لي ما نجيش اصلا نقول جي ايكول موان بي ام ايكول موان اكس ار. نعم ما غلطش تقول غلط تقول غلط تقول لك انا ما غلطش سي سي ايكال سي انفر ايكال سي سي ايكال سي انفر ايكال في اللوجيك ما غلطش انا حبيت نرجع نجيبها كيما اكزاكتومون كيما كيما لا كونترين لا فورم لا كونترين مفهوم؟ هذه تقول لي ايكال زيرو؟ اللي تحت هنا ايكال بيان سور انت عندك الحق هذه غلط تحكي لها لي سي فري 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 سي قلنا إذا كان إذا كان إكس تيلد رياليزابل بور بي ار اس، ألوغ إكس شابو نحو لي فاريابل دي كار، إلي رياليزابل بور بروبلام بي ار، واش بقى لنا؟ نكومبارو لي فونكسيون، نكومبارو لي فونكسيون. لا فونكسيون، شوفوا بلا هذا.
شوف اللي عندك اف شوف اف في البوان في البوان اكس تيل بتقال اكوا la fonction linéaire est égale à C1 x tilde 1 plus Cn x tilde 1 plus 0 à l'autre. Plus 0. Plus 0. Plus 0. Plus 0. Vous voyez où j'ai. C'est égal à f, fait le point. C'est égal à f, point, x chapeau. C'est égal à f, point, x chapeau. Mais non, mais c'est juste la valeur. Donc les valeurs de x0, les deux fonctions, x0. Donc si vous avez. هذه اللي باش تفيريفي اكس تيل باش تفيريفي كلكو سوا اكس كم كلكو سوا اكس عندك اف دو اكس اي افرو ايكال اف دو اكس تيل كي افرو ايكال اوسي اف دو دو اكس شابو دونك عندنا دونك اونتيان كلكو سوا اكس رياليزابل بلوس بي بي ار راح يكون اوسي افرو ايكال اف دو دو اكس تيل كي افرو ايكال اوسي اف دو اكس شابو نفس كاين سونس واحد اخر ما درتوش يعني خليوه لكم اكزرسيس خليوه لكم اكزرسيس ماتنو لو كونترير اسكو لو كونترير فري اسكو لو كونترير اي فري نعم وشي كونترير وشي كونترير هي عندي ست حاجة لا انا قلت حاجة اخرى انا قلت خليها لكم اكزرسيس اعطيتك معلومة واحدة اخرى بوزي كيسيون اسكو لو كونترير اي فري خلاص المشكلة هذا فرينا هذا فرينا دركا اسكو لو كونترير فري سي اي شابو لي فاريبل بري في سوليسيون تكمل بوش اوبتيمال سوليسيون رياليزابل تاع البروبليم بي ان اسكو لا سوليسيون اكس تيل زيد لها كي فيريفي دونك تبقى اون سوليسيون رياليزابل تاع البروبليم بي ان لا ريبونس وي لا ريبونس اي وي لا ريبونس اوسي حتى في الحاله هذه الي فري اوسي سي ان سي من هنا حتى لهنا حتى الاكس تيل ان دونك اي رياليزابل بور لو بروبليم بي ان دونك نجم ندخل دي فاريابل ديكارت خان نعرفهم اي اكزيست دونك هنا نقدر ندخل دي فاريابل ديكارت جدد هذوما كيما هكذا نعرفهم دو فاسون يكونوا اوسي سوليسيون رياليزابل تاع بروبليم تاع بروبليم بي ان اس بون الحكايه كلها اللي هنا في التيوريم هذا واش نجبدوا منه واش نستخلصوا منه واش نستخلصوا منه هذا التيوريم هذا كله واش نجبدوا منه هذا اللي قلتو في الاول واش هي الفائده نتاعك؟ هي لا راسي على بالي سي جوستيفي الالغوريثم دو سامبلكس اي جوستيفي معناها باللي نورمال نخدموا بروبليم بي ان اس نحطوها كوتي نعوضوها بالبروبليم بي ان اس نحلوا البروبليم بي ان اس تاعنا نلقوا لا سوليسيون اوبتيمال بروبليم بي ان اس نهزوا غير لي فاريابل برانسيبال هذوك لا سوليسيون كيما تاع بروبليم تاعي هذا هو سي جوستيفي كوما ديمونتريش تيوريم كيما هذا تو بو با دير صح عندهم البي ان اس ومن بعد يابري ماشي العلاقه ما بين بروبليم لا سوليسيون اوبتيمال تاع البي ان اس لا سوليسيون اوبتيمال تاع دونك ماشي نعم ديمونتري اوبتيمال démontrer. La remarque qui est très bien, je vais prendre soit x, donc là réalisable, x réalisable quelconque, pour P, pour le problème P. نزو كالكون نزو كالكون المراد هذا تاعك دروك امبليك نقدر نزيدو لي فاريابل تاعك دونك اكس هذا ونزيدلو لي فاريابل تاعك بلوس لي فاريابل تاعك
هذا يولي رياليزابل اوسي رياليزابل بور بور بيرت بيرت احنا دروك في لا ديمونستراسيون تاعنا العكس سي هذا اللي رياليزابل بور بيرت الوغ هذا طونكاتور يولي رياليزابل بون كاس كو جي شوف بلا شوف بلا عندي اف 2 اف 2 اكس هذا نسمي نعطيه اسم نسمي باغ اكزومبل اكس بار نسمي اكس بار عندي اف 2 اكس شو لا فونكسيون اف 2 اكس اللي تقال اكو هذا تقال اف 2 اكس بار باسكو لا فونكسيون لي فاريابل دي كار ما ياثروش في لا فونكسيون اللي تقال اف 2 x bar. Or, f de x bar, qui est comparé à la solution optimale, t'as PLS, je te le garde. F de x, x tilt. Inférieur. Inférieur. Donc, on dit f de x bar. On dit x bar, solution réalisable, quelconque. Donc, on a, c'est une solution réalisable. À cette solution réalisable, t'as un problème linéaire quelconque, je lui associe une solution réalisable, t'as un problème PLS. X bar, ça عندي f de x est égal à f de x bar parce que les coefficients t'as les variables d'écart sont nuls. C'est bon. Parce que x bar, f de x bar, donc qui compare à x tilt, x tilt, à l'hypothèse, soit x tilt d'une solution optimale. Donc j'en ai inférieur ou égal à f de x tilt. Je porte définition x tilt, il y a une solution optimale, t'as un problème PLS. Ou elle x bar, c'est une solution réalisable, t'as un problème PLS. Donc, à la tabinette, on a dit f de x bar est inférieur ou égal à f de x tilt. Moi, je parle un peu. Je suis en train de démarrer. X, solution réalisable quelconque. F de x est inférieur ou égal à f de x tilt. On va dire f de inférieur ou égal à f de x tilt. Donc, ça veut dire que x tilt est une solution optimale aussi pour le problème. Le problème PL. La valeur, on a la même valeur optimale. La valeur, on a la valeur optimale. Neuf chiffres. La valeur est égale aussi à la valeur optimale. La valeur optimale, F. La valeur optimale, c'est la solution. La valeur optimale, t'as un programme, t'as un problème PL. On a la valeur optimale. Neuf la valeur. Maximum. Optimal, nous c'est maximum. Nous c'est maximum. Bon. بالنسبة نحبسوا لا بارتي هذه دونك تيوريك شنو مش تيوريك العلاقة ما بين لي دو بروبلام دونك بي ال اس اي بي ال C'est quoi une solution de base réalisable? Bon, ben là, je vais faire un exercice fait, donc le calcul. Donc, on va faire un exercice A. C'est le cache pour motiver jusqu'à là. Exercice A. Donc, on va écrire sous forme standard. Donc, écrire. هذا درناه، الموديل هذا درناه في
C'est l'entreprise qui produit donc l'air de mer. 70 x 1 plus 84 x 2. Sur les contrats, 1 3. C'est 1. Donc 3 x 1 plus 4 x 2 est inférieur ou égal à. هذا النمبر دو هذا فيه النمبر دو 4200 فرق قال دونك ان نعم اون انتربريز دونك جو كرو ايمي ولا اخرى برودوي دو موديل نمبر دو في البروميير اتولي دونك ان فرق 4200 ثاني وثالث اكسترا دونك سي دو اون اتولي فيريفيكاسيون اكسترا اكسترا سي دو لا كومبلان سي دو يا اكس 1 بلس 3 اكس 2 ان فرق قال 2200 2250. C3 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 2600. La contrainte C4, vous avez donc là x1 inférieur ou égal à 1100. Plus x1 plus x2.
حقيقة أنا كي نقول فرقة باسكو جو دي فرقة مش كاين زيرو هذاك لا زيرو هذاك لا ماتريس تاع سي بلوس زيرو اكس 2 بلوس زيرو اكس 3 بلوس زيرو اكس 4 بلوس زيرو بلوس اكس 6 دونك نحط هنا الاخر خلاص نحط البيان تاعها ايكال دونك ايكال 1100 تحطو في نفس في نفس الكورة دونك جو بتزيرها وصلنا دلوقتي ايكال Regarde, bien sûr, la même chose. Regarde. Regarde. Donc, égal, nous, c'est 4200. Fania, 2250. Falta, c'est 2600. 2600. On va commencer par cet exemple. Il faut sous forme matricielle. On va l'écrire sous forme matricielle. Bah, on va généraliser. Généraliser, programme général. Comme on l'écrit. Donc là, on peut l'écrire sous la forme. Là, on peut l'écrire sous la forme de la matrice A, X égale B. Bon, premièrement, on fait le calcul matriciel. C'est-à-dire, donc il faut savoir qu'on ne peut pas multiplier deux matrices avec laquelle. Les matrices, les produits, les matrices, etc. Il faut des règles, parce qu'elles ne sont pas des matrices carrées, elles ne sont pas des matrices carrées. Donc si vous avez en général, si vous avez une matrice A, faire M ligne ou N colonne, vous avez le droit de la multiplier par une autre matrice, which is good. Le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire, par exemple, multiplier par une matrice B, par exemple, Le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes dans la première est égal au nombre de lignes dans la deuxième. Bon, là, tu mets ce que tu veux. Un, par exemple, qui va trouver P. P avec 1, 2, etc.
Résultat, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une matrice P, où est la matrice C, la matrice C. Ce sera une matrice C. Ce sera une matrice C. Le nombre de l'unité est un, le nombre de volontés est un. هذا البرودوي ماتريسي، هذا في البرودوي ماتريسي، داكور؟ دونك هذه الحاجة الأولى، الحاجة الثانية سيكو، دونك هنا هنا هذا السيستم اللي جا، دونك عندنا هنا الماتريس تاعنا أ، شوفوا مليح الماتريس تاعنا أ هنا، بون، ثاني حاجة أخرى، نعطيكم من ميثود كيف تعملوا البرودوي ماتريسي. Vous avez par exemple, là, on a une matrice, là, sur le plan, une matrice A par exemple. Donc, on a vu la matrice A. Tu la multiplies par une matrice B. Tu vas te dire, comment tu fais? Tu vois, là, je te dis que tu es là, tu es là. La matrice B, tu es là, tu la mets là. Tu vas dire, je connais. Mais c'est quoi? Le nombre 2, où je connais la règle. Le nombre de colonnes t'a assez, c'est-à-dire لازم يكون ايكال نومبر دو لين تاع صدير الكبر هذا تشوف فيه هذا لازم يتحط في اللين تاع لا دوزيام غادي تكون هكذا باغ اكزومبل هنا نفس عندك هنا ديس حط هنا ديس وبعد هنا دير كيما تحب كيفاش كي تو اوكي هنا كوم تو فو السلام2, 0. 2, 0.
بعد كلها زيرو بعد سير ما انت دو فاريابل هذوما كلها بعد كل سير 1 0 0 0 بعد 0 1 سوما 3 سير 1 0 0 بعد 0 0 1 0 بعد 0 0 0 1 Vous avez votre matrice A, la matrice X donc. Rah nikteb système tel sur la forme AX égale B. AX égale B. X est sous matrice. Je vais voir la matrice. Je vous donne une lettre. A. Gda. 4-6. 4-6. Vous avez 4 lignes et 6 colonnes. 4-6. Donc X des micros. X des micros. Il y en a X. Des micros 6. C'est un vecteur. Des micros 6. 6 lignes, il y a des lignes, 6 lignes, une colonne. Donc il y a 6 lignes, il y a 6 lignes, une colonne. Pour obtenir, donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un vecteur qui fait 4 lignes et une colonne. Comme le B. Exactement, le B fait 4 lignes et une colonne. C'est exactement ça. Donc il y a, je vais écrire X. X, c'est un vecteur colonne. X, c'est un vecteur. Il faut qu'il soit avec le vecteur. X, c'est le vecteur colonne. X1, voilà. X2, X3, X4, X5 et X6. X6. Voilà. Vecteur X. Ou le vecteur B. B, B, c'est un vecteur colonne. B. Vecteur B. On écrit pas la deux sur les flèches. On va aller comme dans le monde. D'accord. B2, فيها معنا نعم نعم معروفين كذا دي بي ان تي سون با دي فاليير هنا في الكاب اللي هون وزو بي 4200 CX, parce que l'exploit maximisé, C multiplié par X. Donc, je vais vous donner deuxième nature, le X à là, le X à Gouna, je vous donne. Il est X. 4, 6, 6, 6, 1. 6, 1. Par contre, on monte un vecteur. Deuxième, un vecteur linéaire, c'est quoi? Comme un vecteur colonne. Deuxième, un vecteur C là. هنا الاخر تاعو لازم يكون هنا 6 لازم يكون 6 وهنا في رايك شنو باسكو لازم الريزلتا يكون النوم يكون النوم اس اكس ان بلس سي النوم لازم يكون الماتريس ا ان لازم يكون النوم باش تخرج في الماتريس دونك الفيكتور سي الفيكتور سي هو سي ان فيكتور لين دونك سي ان C2, C3, là on a les chiffres. C'est ça. C'est un vecteur qui fait les chiffres. Donc, là, je vais mettre l'exemple. L'exemple. Vecteur numéro 66, maintenant. 66, 84, 0, 0, 0, donc fait 7. 0, A. شيل بتوك كبيرة في الدوكا ها شو عم تعمل؟ شو قال زيدان؟ لكن دي الكالكيو ها شو عم تعمل؟ شو في مثلا لغة رسالة ونحط تحتها نحط تحتها ها فيكتور اكس اكس ا اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6 Donc le résultat, les gars, c'est un vecteur colonne. 9, 6. Voilà. Comme pour le mais ma première ligne, l'oule. Les gars, t'es pas le système. Et t'es gars, la 3, du coup, tu peux faire une fois que 3x1 plus 4x2 plus x3 plus 0 autre. Égal, elle est produite à la matrice. La même chose. Deuxième, vous allez avoir. Deuxième, x1 plus 3x2 plus 0x3
0 x 3 plus x 4 plus 0 égale vecteur b. Etc. Donc, on est là. Donc, vous en avez trois qui font un âge, un peu là. Le premier. Juste question. Le plus de 3, le résultat là, c'est égal à 3 x1 plus 4 x2 plus x3 plus 0 x4 plus 0 la première 0 x5 plus 0 x6 égale 4 égale b1 égale b vecteur b b ou a ou non 1000 premier élément 4000 حاجه اخرى là par exemple la dernière colonne vous avez seulement donc là vous avez x1 vous avez x1 plus coule la 0 plus 0x2 plus 0x3 tout à fait pour l'orienter la lumière n'est pas par la colonne plus etc plus 0x6 le dernier colonne ici on va dire le vecteur C on va dire le vecteur C C, c'est un vecteur libre. Donc, il y a 66, 84, l'autre 0, 0, 0, 0. L'autre mot, le vecteur, x, a. X ou x1, x2, x3, x4, x5, x6. Vous allez avoir un nom, à tel goût. On va la part là, vous allez trouver égal un nombre. Un nombre va 66x1 plus 84x2 plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6. Donc c'est exactement la fonction z. La fonction. Bon, on va dire donc là, on va dire sur la forme matricielle, donc problème. Donc le problème PLS, là, le problème PLS là. Le problème PLS sous forme matricielle, l'exercice à la donc il faut sur la forme, maximiser la fonction CX avec la condition AX égale B, c'est que X supérieur égale à 0. 0 à la ligne 1 ou 0 à la ligne 1 ou à vecteur. 0, 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 on va écrire le modèle général. Bon, c'est le modèle général, comme ça tu vois l'équivalent. Pour le modèle général, on va l'écrire comme ça. Donc, nous devons la matrice A. Faites la matrice A, le cas général. Quand A1, X1, la première colonne, il y a un tas de chassa. Chassa de la. Non, mais la contrainte. Mais la contrainte. Quelle est la contrainte? Chassa de la variable x1. Chassa, la première colonne dans la matrice, chassa de la variable x1. Donc vous allez avoir A1, 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 etc. La A, N, M, N, A, N.
نعم أدنى أدنى دو أكسر أ نوشي سرا أن يمليني دوزيام كولون دونك سي أ أن دو أكسر حتى نوصلوا لا فاريابل إكس أن دونك نوصلوا أ بروميير ليني A1 Non, c'est la première ligne du deuxième colon, c'est A1, 2. Ça me voler, ça me fait une balle. C'est la première ligne du deuxième colon, donc c'est A1, 2. On va faire qu'il y a A1, 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 2, A1. C'est cette fois A1, 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 La M, 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 لا مش عارف كيف قاعد بس اكس ما كانش اكس ار كوفيسيون كوفيسيون ما بغيتش تكتب فيها كوفيسيون تكتب كوفيسيون لا كوفيسيون هذا اللي كان مع اكس ار هو ا بصح هنا بلس اكس ان بلس ان بلس اكس دونك سي ا وخرج كلها زيرو 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 بعد دوزيام هنا زيرو هنا ا كلها هنا ابري زيرو etc. Là, par exemple, la colonne I, vous allez avoir un A. Pardon, c'est pas la colonne, c'est N plus I. N plus I. C'est la colonne N plus I. Vous allez avoir un 0 là. Top là. Et tout ce qui est là, vous allez avoir un I. Vous allez avoir un A. Vous avez plus XN plus I. 0. Alors, c'est le dernier, donc maintenant, N plus la colonne N plus M, vous allez avoir 0. Là, vous allez avoir une matrice diagonale. Voilà. Elle est la forme de la matrice générale, le problème général, PLS. X. X fait la même chose. X a une boule, X, ce sera un vecteur colon. X1, X2, etc. X1, Xn plus 1, jusqu'à Xn plus M. Xn plus M. Le vecteur B. Et on remarque bien que le produit interne est correct, parce que vous avez A, la matrice A, c'est une matrice différente. M' et M plus M, voilà. Le droit va faire X. X, la récolte, donc où je fais X. M plus M'. M plus M. M plus M, M plus M, et U, voilà. On va obtenir. Un vecteur qui unifie M ligne et une colonne. C'est vecteur B. Le vecteur B fait M ligne et une colonne. Donc c'est B. Donc vous avez AX égale B. B est le chiffre. B est un exemple. M ligne. Vecteur B, voilà, égale. Donc c'est le vecteur. Il va reconnaître un B1, B2, Hata, B, M, B, A. Le vecteur C, C la récolte, C égale, je te prie ma question, égale à C1, Hata, Cn. Ou après, 0. Voilà, c'est le vecteur C. Mais qui t'a pas dit? Allez, je te prie ma question, un exemple, tel comme l'exemple. Donc, A vecteur. PLS.
حطينا لي ماتريس نوصلوا بوزي ماتريس ماغا بيراس او كتب كتب ماكسيميزي بيراس دونك نو سيكريت ماكسيميزي ou bien minimiser, donc la fonction C multipliée par le vecteur X sous les conditions AX égale B X supérieur égale A. Bien sûr, maximiser ou minimiser. Hein, dis-moi la forme matricielle, on l'appelle la forme matricielle du problème PRT. Dans lequel le paragraphe plus important, un paragraphe. Maintenant, on va définir c'est quoi une solution de base. C'est quoi une solution de base? Une solution de base réalisable. Donc, problème 1, la loi, on dit là. Donc, là, on a résolu le problème 1. Donc, AX égale B, on a un système linéaire qui fait plus de variables, plus de variables, que, plus d'inconnus que d'équations. C'est un jour qui fait. وشي التسمية تاع سوليسيون باز سوليسيون باز سي سوليسيون تاع السيستم اون سوليسيون باز سي اون سوليسيون تاع السيستم راح تفيريفي السيستم تفيريفي ا اكس ايغال بي رياليزابل لازم تفيريفي اوسي اكس لا سوليسيون تكون اكس سوبر ايغال ا زيرو دونك من هادي راح نديرو جو ميفاسي بو ايفاسي solution base solution base est réalisable solution base on a des projets comme ça on a un doctorat système de doctorat système d'encadrement système de mais on aime tu fais une vidéo festive par exemple, nous avons l'équation x plus
Y égale. Bon. C'est quelque particulier, t'as chier les chiffres. Donc là, on a une équation, c'est-à-dire M est égal à A. M est égal à A. Donc on a le nombre d'équations, M plus 1, M égale 1. On a M plus M égale 2. M plus 1 égale 2. Supposons une équation, comment la résoudre? Il y a une solution. Une infinité. On a une infinité de solutions. Comment la résoudre? Qui fait les une solution? Fixez-vous. C'est-à-dire, un paramètre. Fixez-vous. Mettez un paramètre, vous liez en fonction de ce paramètre. Par exemple, là, on pose x égale lambda, là, on est fixable. Dans ce cas, y coulé égale 3 moins x, c'est-à-dire 3 moins. Voilà. Chaque fois, il y a une solution. Chaque fois que je mets de lambda une valeur, tu obtiens la valeur. T'as. Par exemple, de lambda égale 0, qu'est-ce que j'obtiens? Y égale 3. Et lambda. C'est qu'il y a une infinité de solutions. C'est là que tu mets une équation à deux inconnues. On sait, je vais compliquer. Il faut deux équations. Donc là, c'est des inconnus à la téléphone. Là, ça va là. Là, 3 ou 4. Donc là, par exemple, je vais poser X. On va mettre un exemple des deux, hein, parce que les deux, des résultats. Un bout très haut qui mettre un bout. Donc là, par exemple, je vais prendre X plus Y plus 2R plus, donc je vais prendre 4 variables. N'est-ce 4? 4 variables. Donc là, par exemple, plus 57, on x, y, z, u. Les variables, on a x, y, z, u. Égal, 100 000. Vous allez, 3x, l'équation fait 3x plus 7y, plus moins, par exemple, racine de 2, 2z, moins 99, u, égal, par exemple, égal 1155. Voilà, 100 000. Comment résoudre ce système-là? Alors, je voulais dire, là, pour résoudre ce système-là, il faut une matrice carrée. Parce qu'il y a deux équations. Il faut une matrice carrée. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de paramètres qui nous résoudent. Pourquoi? On peut gérer une matrice carrée. Voilà. Là, il faut une matrice carrée. Quand j'ai 3, il faut une matrice carrée, t'as 3. Mais il faut 2. Il y a encore les deux variables. كيما تحب دونك تحب تخرج دونك هذوما تخليهم هنا فوالا هذوما تخليهم تهز هذوما تعطي لهم دي بارامتر ولا باغ اكزومبل تهز هذوما تخليهم تمد هذوما تمد لهم كيما تحب كوم تجيبو باغ اكزومبل هنا اون فا دو بارامتر نعطوهم دي بارامتر نهزو زاد او ندو لهم دي بارامتر اون بوز هنا باغ اكزومبل زاد Z égale alpha. Nous faisons par exemple U. U égale bêta. Ça doit varier au fil R. Donc un nombre fixe, on va les fixer. Donc système terme au jumelé. Système va devenir X plus Y. Plus 2. Plus Z. Pardon, Z. Z. Égal. Égal donc 108 moins, les paramètres, moins donc 2 alpha, moins 2 alpha, donc là moins 55 bêta. Alpha bêta, donc fixe bien. Votre équation, elle est tournée 3x plus 7y est égal à, donc 155, plus racine carrée de 2 alpha plus 99 bêta. Vous avez un système linéaire à deux équations, deux
Nous écoutons avec les paramètres alpha et bêta, sont des paramètres. Et Si le déterminant est différent de zéro, le système a une et une seule solution. On est obligé de la solution. Quand le déterminant est c'est quoi? C'est 1, on est 1, on est 3. Ou le côté l'autre, on est 1, on est 7. Ah, le déterminant est 7. Donc il est égal à 7 moins 3 égale 4. Donc il est différent de 2. Donc le système a une et une seule solution. Une solution unique. Mais quoi la solution? Qui va le gars la solution? X. Aïe. Donc, le X égale combien? X égale sur le déterminant, donc sur 4, total, divisé tout le temps. Le numérateur, c'est un autre déterminant. Où c'est le déterminant? Sauf, le système de la colonne, il fait le X, puisqu'il est le deuxième terme. C'est la méthode, les déterminants, la solution avec les déterminants. Le x, ça va très bien faire. La date de x, la colonne de x, à la hauteur du second terme. Donc je dicte. C'est égal à 108 moins 2 alpha moins 55 bêta, le premier terme. Le deuxième terme, donc c'est 115 plus racine carrée de 2 alpha plus 99 bêta. Au deuxième terme, là, t'as Y normal, déterminant Y normal. Ah, t'as qu'à 1, 7, regardez. 1, 1, 7. Allez, la solution X. Ah, tu calcules, allez, 3 fois 7, moins, allez, 3 fois 1. Le nombre, lui, tu calcules, la solution. Divisé par 4, allez, la solution. Allez, la solution. Donc, il y a X en fonction, cool, même alpha, bêta des valeurs, j'obtiens X. Donc, c'est une infinité, par exemple, une infinité de solution. Y, c'est égal à quoi? Y. Égal, la même chose. Donc on a divisé. La même chose. Tu divises par le déterminant, c'est 4. On a O pour qu'on a. Au contraire, on a Y qui est à O avant de faire. Donc on a. On a 108 avec la. Moins 2 alpha. Moins 55. Bêta. On met donc 115. Plus racine carrée de 2 alpha, plus 99 bêta. Voilà, je pose là, la place, hop, là, chiffre du bonjour. Là, un donc, à la limite, c'est un temps. Quand vous êtes là, t'as l'y, là, vous êtes là, là, et je fais le calcul. Je fais le calcul, t'as déterminé, donc 1 multiplié par 3 fois. Je trouve la solution Y. Bon, elle est un petit peu plus chère. C'est quoi une solution de base? Sauf qu'un autre truc. Une solution de base, c'est quoi? Résoudre l'équation. T'es bonne. Marjo, quel exemple t'as? Avec toutes les émotions et toutes les émotions.
x plus y plus 2z plus 55 plus 2 égale 100. La deuxième équation, il y a 3x plus 7y moins racine carrée de 2 z moins 99 plus égale 1100 pour la 115. Regardez l'équation. Qu'appelle-t-on pour qu'on en arrive à une solution de base? Une solution de base. Passez par classe. Deux variables. On attend des valeurs particulières. Solution de base. La variable, les valeurs particulières, nous donnent les variables alternatives au moins 0, nulle. On va les annuler. Donc on appelle solution de base. On appelle solution de base d'un système là. Toute solution d'un système, lorsque on attribue à deux variables, un exemple de deux variables, à deux variables, la valeur tombe la valeur 0. Qui met un peu. Ou deux, qu'est-ce que représente l'exemple là? Deux, en particulier, deux ou chier, c'est quoi? C'est le nombre de contraintes, c'est le nombre de contraintes. Parce que qui est annulé deux variables là? Qui est annulé deux variables? Qu'est-ce qu'il vous reste? Deux variables. Et vous voyez, un système de deux équations à deux inconnues. Il est quand même un système général, l'IFIR. M équation à M plus M inconnu. M plus M. Inconnu. Donc, on a un système. Bon, on a un double exemple. Qui m'a dit que vous avez créé les variables? Vous avez créé x, t'as le x ou y? Voilà, t'as nul x ou z. Voilà, t'as nul y ou u. Comme tu veux, on a beaucoup de solutions de base. Par exemple, si j'ai un jeu, si j'ai un jeu, si j'ai un x égale 0 et y égale 0. Système où je n'ai pas fait lorsque j'annule deux variables. Je roule la matrice que je te fais là. Mais il y a une réponse au cas. Parce que il y a 30 x égale 0. La colonne est 3. Il y a 30 y. La colonne est faite avec 3. Je suis en calque système. Il y a un calque. 2z plus 55 e égale 108. Moins racine carrée de 2z moins 99 égale 15. Vous avez. Qui est annulé les deux variables le système TAC. Comme si la matrice récupérée, il y a la colonne TAC. La colonne qui est impossible de lire, parce que c'est linéaire. D'accord? Donc, là, qu'appelle-t-on solution base d'un système? On appelle solution base d'un système là, à x égale b. Toute solution du système, lorsqu'on attribue à deux variables, car on a deux variables, on tombe la valeur 0. On tombe la valeur 0. Donc, c'est un cas particulier, t'as chiré de quel mouffer. C'est un cas particulier, t'as chiré de quel mouffer. Alors, qu'on a fait un système linéaire de fier. Le nombre d'équations, qu'on a calmé le nombre d'inconnus, il faut mettre un certain nombre d'inconnus à une valeur particulière, à une valeur pour obtenir une matrice carrée. Et là, la valeur particulière, mettre les inconnus à la valeur, il y a la valeur 0, la solution est là, c'est moi la solution de base. C'est moi la solution de base. Bon, on va voir notre définition. Inconnu.
هذه هي ديفينيسيون جينيرال في الكار تاعنا احنا. ام هذا واش يمثل؟ لو نومبر دو كونتراكت، نومبر دو كونتراكت. والان هذا واش يمثل؟ سي لو نومبر دو فاريابل. دو فاريابل سوف سميناها ديكار. لا مش ديكار. نومبر ديكار هو ام، سي لو نومبر دو كونتراكت. الولد برينسيبال، دي فاريابل برينسيبال. هذا الان هو نفسه هو العدد تاع لي كونترانت، هو العدد التوصيل تاع لي فاريابل ديكار. وان هذا اللي هنا هو لو نومبر دو فاريابل برينسيبال. هو جو في السيستم في ريغارد شو في ريغارد تفهم. دونك عندنا سيستم، ان سيستم دو ان ايكواسيون ا ان بلس ان انكونو كيف على شكل هذا ا اكس ا اكس ايغال ا اكس ايغال بي افيك ا سي كيو ماتريس. قلنا اون ماتريس اللي فيها ان بلين et m plus m à x égale. Une solution de base, une solution de base, une solution de base associée au système AX égale B, système adapté, AX égale B, une solution de base. Une solution de base associée au système AX égale B, s'obtient, s'obtient en égalant à zéro. Plutôt une variable égale à 0, égale à 0. Combien de variables? Vous avez m, équation. Vous avez m plus n inconnu. Je vous dis, une matrice carrée. Combien de variables quand on égale à 0? M équation. Vous avez m équation. Et vous avez m plus n inconnu. Combien d'inconnus il faut mettre à 0, égal à 0, pour obtenir un système, une matrice carrée? Donc c'est m. M, c'est le nombre, c'est-à-dire 30 égal à 0, le nombre de variables, le variable principale. L'adad, t'as les variables principales, donc 30 égal à 0. Parmi toutes les variables, il y a un mètre n variable, 30 égal à 0. Il n'y a qu'un système, un de solution, avec la solution, c'est pas une solution de base. Vous comprenez? Créer les variables. Donc, tu as plus de 30 les variables. Parmi les variables, tu peux prendre x1, x2, x1, quand on égale à 0, cool. Le problème, si le système a une solution, donc c'est ma solution, c'est pas une solution de base. Mais tu mélanges, tu peux créer des variétés, créer des variables. Bon, en égalant à 0, n variable. Variable. Et en résolvant, c'est que 3 égale à 0, les n variables, où je dis le bas. T'as le système, tu résolves le système. Et en résolvant, le système, pour les M variables restantes. Là, tu vas obtenir un système linéaire de M équation à M inconnu. Quel système t'as qu'à l'air? Parce qu'il y a quatre déterminants différents de 0. هذيك لا سوليسيون اللي تلقاها وتزيد لها الزيروات تاع اللي حطيتهم اللي خيرتهم تاع هذه لا سوليسيون سماها اون سوليسيون دو باز هذه لا سوليسيون. دروك من بعد نشوفوا في ان تيوريم كومبيان ان سيستيم ا اكس ايكال بي عنده او بلوس دو سوليسيون دو باز قداش نلقى دو سوليسيون. Les M variables, les M
les M variables. Les M variables. Annuler. Alors, les variables qui sont les mêmes, ils sont égales à 0. Ils sont les variables par base. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Variable. Variable par base. Variable par base. Nous sommes les variables par base. Non? M. M. B s'appelle variable par base. Le reste, c'est-à-dire le reste du chiffre M. M. Le reste, on a les M variables restantes. M variables. Il y a bien une solution. S'appelle variable. S'appelle. Variable. Variable. Donc, le système est à x égale b. Donc, on a des variables de base ou des variables hors base. Les variables hors base, donc, elles sont égales à 0. Maintenant, on est égal à 0. Chez les câbles, les variables, elles nous coupent la solution. Bien sûr, qui te fait le x, j'ai donc, tu es égal à 0. N variable, tu as égal à 0. Parmi les N plus M variables, parmi les N plus M variables, créer N variables, واحدة في اللول, واحدة في النص, واحدة في. كيما تحب, tu choisis. Tu as égal à 0. Il y a pas qu'un système linéaire qui fait M équation à M inconnu. Si son déterminant est différent de 0, donc la solution est très régulière. Elle est moi, solution, c'est la 0 qui est là, c'est moi, solution de base. Ou les variables, les créer, tu as. C'est un peu de cliquer bien la solution, ce sont les variables de base. Ce sont les variables de base. Monsieur, oui. Comment créer le chef ces variables de base? Qui fait? Là, soit tu observes, c'est la valeur. Il a créé le maralou des variables de base, ben, ben, ben. Là, on va trouver une autre solution. Où est-ce qu'on a bête, le système terre, où est-ce qu'on a bête? Il a une autre solution. L'infinité. Quelle est-ce qu'on a bête? Chaque fois que tu changes, même qui te fixe, quand tu te fixes, on a choisi 0, on a donné les variables, on a donné 0. Dans l'optimisation, le choix, on a dit, on a pas 0, on a pas 1 ou 2, on a choisi, puisqu'on a 1 plus 1 variable, on a 1 équation, donc pour le système, il faut le M variable, on donne des valeurs particulières, pour obtenir un système de M équation à M inconnu. Je vous le rappelle. Nous avons N variable, nous avons 0, nous avons 8, 7, la solution. Je vous le rappelle. Bon, comment parce que chauffe, qui t'aide à x égale b. Lorsque tu regardes la solution de base, au cadre tel que x stack, ou à la négative. Donc je vois bien. Cadre tel que x avec la solution, c'est 0 à tout le monde. C'est bien. Ça fait la résolution de système linéaire à x égale b, donc matrice carré déterminant différent. Cadre tel que la solution, ou à la variable, c'est bien. Qui est négatif. Donc un exemple, je vois. هذا يسمى solution de base بصح ما يسماش solution de base réalisable باسكو ما يفيريفيش ا اكس ايكال بي واش تنقصو تنقصو اكس سوبر ايكال باش تضحك دونك اذا كان عندنا solution de base و ان بليس دو سا تفيريفي اكس سوبر ايكال ا زيرو يسمى solution de base réalisable دونك كلمة réalisable toute solution de base réalisable est une solution de base بصح تاخذ تكون solution de base وماهيش réalisable ينقصها à la condition x supérieure à 0, l'axe. Donc, on a si en plus, une solution de base, une solution de base, vérifie x
supérieur ou égal à 0. On l'appelle dans ce cas, on l'appelle. Solution. De base, bien ici. On a une solution de base réalisable, tu vérifies, non seulement tu vérifies AX égale B, ou tu vérifies ici aussi X supérieur ou égal à 0. Allez, l'algorithme simplexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il démarre une solution de base réalisable, une autre solution de base réalisable avec F, un Z, l'algorithme simplexe, il ne fait que ça. Comment il fait. Donc il démarre, il coule une solution de base réalisable. Bah, il va faire, bien sûr, il va donc la base de l'oula, solution de base, avec une autre solution de base réalisable. De façon que je dis là, il créera F تاعها تكون strictement supérieur à F تاعها قبلها. Vous avez comme ça. Qui fait tabdil hada yoka, comment il change de base, changement de base avec yoka, hada wala algorithm simplex, nous allons voir en détail. Bad, il y a l'algorithme. Bad, c'est donc qui fait changement yoka, fait tabdil la base, tabdil la base à l'autre. Hada, c'est le but de l'algorithm simplex. Mais le fikra hiya, donc on commence, démarrage une solution de base réalisable, mais dans l'algorithme, donc il bat le coup. Il me une solution de base réalisable vers une autre solution de base réalisable. Avec la condition, la fonction, donc elle va croître lorsqu'on passe d'une base, d'une solution de base réalisable vers une autre solution de base réalisable. Là, on décroît s'il y a minimisation. Vous voyez un exemple. Bon, là, on va mettre un théorème, combien de solutions de base réalisables on peut construire. Combien on peut construire de solutions de base réalisables. Avec, en fonction de N ou M. En fonction de N et les combinaisons. C'est le nombre de combinaisons, donc elles ensemble les firmes. Combien d'ensembles différents nous construisons ici de M éléments à partir de l'IFIR. M plus N à partir de M et de 1 élément à partir de 1 plus 1 élément. C'est le CMP. Donc, on a un C par contre, c'est 1 plus 1, 1. C'est 1 plus 1, 1. Un nombre. Donc, c'est le théorème. C'est le nombre total. Vous allez voir qu'il y a des chiffres, par exemple. Parce qu'il y a le fikra. Quelqu'un qui m'a dit le bilan, il y a un qui dit le bon. Il y a les solutions cool de base, cool. Il y a toutes les solutions de base possibles. Au nombre fini. On bat, qu'est-ce que je fais? Comparer même les FT. La plus grande, elle est qui est la solution optimale. Mais le problème, c'est que le nombre là, je vais te dire, il y a une bière. Il y a 13 000 contraintes. Il va faire 900 000 variables. Déjà, il y a une adapte, il y a une astronomie. Alors, donc, M, ok.
solution de problème. Quelle est la solution de problème? Mais j'avais raison. Solution de problème. Bien sûr, elle a des magasins mentaux qui montrent la preuve. Après, on a la preuve. La preuve. Vous avez dans la prise A, ça va là. Ça va là. A. Vous avez M, là, encore, M. M équation, M ligne. M ligne. Vous les colonnes, vous avez le domaine. Donc, M ligne, là. Les colonnes d'Aha. Etc. On fait tout ça, j'arrive à M. Bah, encore, Z, Hatta, 1 plus 1. Ça veut dire combien de matrices carrées va passer la partie de cette matrice. Khir, alors on va le choix de les colonnes, je choisis les, chaque, parce que chaque fois, on annule une variable, trois une colonne. Donc combien, il y a 1 plus 1 colonne. Combien je peux construire, la choisir, deux colonnes de matrices qui font M colonnes. Le nombre exactement, c'est M plus M, M, c'est exactement le nombre de combinaison. Aussi que enfin, cas d'avril. Moi je fais donc t'as le nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons. Bon, l'autre, bien, bon, après comme tableau d'exercice, deux colonnes. Donc là, un exercice, on a déjà installé avec moi, j'ai très bon. Vous allez le faire. Quand on a une note, le tour. Moi, je me disais, moi, ça, quand tu as travaillé. Non, je vais l'adresse. L'adresse, qu'est-ce que tu as anglais? Bon, moi, je vais faire l'exercice, on va le faire. Mais l'eau, la prochaine fois, on je vous conseille de le faire. Dis-nous, hâte la fin. L'exercice là, essayez de le faire jusqu'à la fin. Parce que non seulement il y a tout la forme géométrique, les points extrémaux, tu trouves les solutions de base. Les solutions de base réalisables. Nous te comparons avec les points extrémaux. Donc fais cool. C'est la fin. Exercice 2. C'est 6,
4, 6, 4. Donc est égal à 1. Est égal à 1. Donc 6, factoriel 6. Divisé par, donc 1 factoriel 4. Je multiplie par 6 fois 6 moins 4 factoriel. Allez, ça, donc, votre nombre est plus 4. Donc vous avez au maximum, comme ça, une solution de base. Je vous rappelle. AX égale B. Ah, donc ça, c'est A. Quelle est une solution de base? Une solution de base, parce qu'on a un B avec un positif. Un B positif, on a un nul de variable. Combien on a nul de variable? Deux variables. Créer deux variables, t'annuler, tu vas obtenir une solution de base. Par exemple, une solution de base. Si il a quatre x1, les variables annulent les variables principales. x1 égale 0, x2 égale 0. La matrice des trois. Une solution de base. x3 égale 4200, x4 égale 2250, x5 égale 2600, x6 égale 800. C'est une solution de base. Est-ce qu'elle est réalisable? Bien sûr, dès qu'elle est positive, tu peux le réaliser. Ça veut dire que le B positif. On peut positif. Alors, on a fait le B positif. Si on crée le B positif, l'algorithme s'appelle le démarrage. Il démarre en pesant les variables principales. Il démarre la solution. Parce que le démarrage est de bac. Mais c'est le problème de démarrer. Il démarre lorsque B est positif. L'algorithme du simplex peut démarrer. Avec la solution, hot les variables principales, hot le nul, x1 égale 0, x2 égale 0. Etc. Donc là, vous avez essayé de calculer, donc mettez-le bas. Mais calculez-vous, calculez à la perf milliard, à la solution de base. Deux solutions de base. Ou le goût de l'ouest de Maïs, ouest de Blanc, tu le goût de Maïs, réalisable. Alors vous allez choisir, pas, vous allez. X1 égale 0, X3 égale 0, X1 égale 0, X4 égale 0, X1 égale 0, X5 égale 0, X1 égale 0, X6 égale 0, ben, X2 égale 0, X3 égale 0, etc. Donc tu obtiens beaucoup de combinaisons. Chauffe, quitte le gars, voilà, quand tu brilles, on va lâcher une solution de base, tu veux rien à zéro là, on va savoir graphiquement la solution. Savoir graphiquement les solutions. Voilà le gars. Les points extrêmes, où le gars parmi les solutions de base réalisables, elles correspondent à où les points extrêmes qui correspondent.